Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission en profondeur que j'ai le plaisir de vous présenter. Le titre aujourd'hui se voulait provocateur, c'est-à-dire les élections pour quoi faire. Et puis nous nous sommes dit, il y a des téléspectateurs qui, au lieu d'attendre la fin de l'émission pour réagir, ils commencent déjà à réagir au début. C'est pour cela que nous vous avons proposé comme titre Quelle démocratie pour l'Afrique? C'est un peu plus soft. Alors, si nous commençons depuis le commencement, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons d'abord qu'il y a eu ces temps de l'indépendance, et puis les partis uniques, et puis la démocratie. Vous vous souviendrez, pour ceux qui ont l'âge, qui ont la quarantaine, de l'appel de François Mitterrand à la Baule, tout nous est pratiquement, enfin, jusque-là imposé. C'est dommage. Alors, mes chers amis, quelle démocratie pour l'Afrique, monsieur l'abbé? En guise d'introduction, je voudrais que vous ne parliez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelle démocratie pour l'Afrique? Une démocratie qui soit un mode de vie, qui soit une culture. Voilà. Monsieur Bounikaba. Oui. Vous l'avez... Un peu plus long quand même. Que... Vous avez déjà, en fait, donné la piste lorsque vous dites que la démocratie que nous exerçons maintenant, ou que nous croyons exercer, nous a été suggéré ou inspiré. Même imposé. Imposé. Parce que clairement, Mitterrand a dit que la France sera plus... Regardant là où il y aura ces progrès démocratiques et plus dur envers ceux qui ne voudront pas suivre ce schéma. Donc, la démocratie chez nous, manifestement, c'est quelque chose de calqué. Donc, qui ne vient pas de nos réalités à nous. Ce n'est pas pour dire que nous ne sommes pas en mesure d'être des démocrates. C'est tout simplement parce que, aujourd'hui, nous avons retenu de la démocratie la procédure, la forme, et non le contenu, le fond. Parce que la démocratie, c'est multipartisme. Ok, on peut aller jusqu'à 1 million de partis. Parce que c'est le multipartisme. Non, ce n'est pas ça. Les syndicats, on peut avoir 1 million de syndicats. C'est vrai, il faut avoir aussi des partis d'opposition, mais il faut en avoir peut-être même plusieurs, 10 000 partis d'opposition. Donc, nous avons pris seulement les dehors de la démocratie, pas la substance. Et c'est ça que nous voulons démontrer aujourd'hui, qu'il y a moyen de se focaliser sur ce qui est essentiel en démocratie, et faire progresser nos pays. Monsieur l'abbé. Je voudrais ici évoquer une interview que Madame Danielle Mitterrand, puisqu'on a parlé de François Mitterrand, eh bien, Madame Danielle Mitterrand, la veuve de François Mitterrand, avait répondu à des questions d'un journaliste en France, et parmi les questions qu'on lui a posées, il a été question de la démocratie. Oui. Et qu'est-ce que Madame Danielle Mitterrand a dit? C'est repris d'ailleurs dans les textes, il y a des textes là-dessus. Elle dit, la démocratie n'existe ni en France, ni aux États-Unis. Et de quoi parlait-elle? Elle parlait justement de la démocratie comme culture, comme ensemble de valeurs, parmi lesquelles nous notons première valeur, c'est l'égalité. Égalité entre les humains, parce que tous nous sommes des êtres humains et de par notre humanité, nous sommes des égaux. Nous sommes égaux par notre humanité. Les différences de couleur, de race, de tribu, de fonction et tout cela, oui, elles existent. De sexe, de religion, elles existent, mais elles ne suppriment pas ce que j'appelle notre commune humanité.
Donc, le premier principe de la démocratie, n'est-ce pas, comme un ensemble de valeurs, c'est la valeur de l'égalité entre nous les humains. Et la deuxième valeur, c'est la participation. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Participation qui signifie « nous prenons part ». Tout le monde prend part. Prend part à quoi ? À la réflexion ? Prend part à quoi ? À la prise de décision ? Prend part à quoi ? À l'exécution ? Prend part à quoi ? À l'évaluation. Et cette prise, cette participation, elle peut être directe, tout comme elle peut être indirecte, eh bien, c'est organisé d'une manière ou d'une autre. Justement. Chacun de nous prend part. Et c'est là où interviendra les élections, qui est une manière de prendre part au choix des dirigeants. Et puis, il y a troisième valeur fondamentale, c'est la valeur de la liberté. Il n'y a pas de démocratie là où il n'y a pas de liberté. Mais justement, monsieur l'abbé, parlons-en. Est-ce que tu peux me laisser terminer la quatrième valeur? Bien sûr. Bien. Ah ben, il y a une quatrième valeur. Voilà. Oui. Eh bien, la liberté, qui est cette troisième valeur fondamentale, s'accompagne de la vérité. La vérité corollaire à la vérité, à la liberté. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans vérité. Tout comme il n'y a pas de participation sans responsabilité. Tout comme il n'y a pas d'égalité sans respect de l'être humain, de tout être humain. Et la quatrième valeur, c'est la justice. Il n'y a pas de démocratie sans justice. Donc, je dis, chaque valeur, égalité, a comme corollaire respect de l'homme. Participation a comme corollaire responsabilité. On prend part et on répond. On est responsable. Liberté a comme corollaire vérité. Parce que la vérité nous rend libres. Et finalement, la justice a comme corollaire la paix. D'accord. Il n'y a pas de paix sans justice. D'accord. Voilà. Donc je crois que les quatre valeurs-là sont... Non, cinq valeurs. Quatre valeurs. Égalité, participation, liberté, vérité, justice. La vérité va avec la liberté, comme très bien expliqué tout à l'heure. Oui, mais... Et nous, en fait, on nous a demandé clairement de mettre en pratique la démocratie comme elle se fait à l'extérieur. C'est-à-dire une démocratie de façade, sans contenu, comme vous le déploriez tout à l'heure. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas tenu compte. Parce que quand il dit participation, par exemple, quand est-ce qu'on peut être sûr que la participation du citoyen est optimale? Quand il connaît, quand parce il est informé. Quand il faut voter, par exemple, vous allez demander, cette fois-ci, on vote pour qui? Vous qui posez la question, ça veut dire que vous n'êtes pas capable par vous-même de vous dire, tiens, parmi les candidats qui se présentent, j'ai trouvé la personne qui correspond aux attentes, à mes attentes en moi. Vous allez demander, donc vous faites assister par quelqu'un. Mm-hmm. Ça, c'est très grave en démocratie. Très, très grave. Or, lorsqu'on regarde mathématiquement, on se dit, ceux-là qui sont dans cette situation de ne pas savoir, par exemple lorsqu'il y a une élection présidentielle, disons-le crûment, à une élection présidentielle, je te vois venir. Combien sont-ils qui sont capables de se dire par rapport aux enjeux du monde, par rapport au rôle que doit jouer le Congo dans le monde et en Afrique, qui sont les hommes et les femmes? Au niveau présidentiel, il n'y a qu'une seule place, mais au niveau sénatorial, au niveau législatif national, ce sont tous nos ambassadeurs. C'est eux le visage du Congo à l'extérieur. Est-ce que nous pouvons nous dire que seuls ceux qui sont capables de déceler les meilleurs parmi les candidats par rapport à ces enjeux-là sont ceux-là qui devraient être conviés à l'élection lorsqu'il est question de choisir le président de la République, les députés nationaux et les sénateurs.
On va vous dire, oui, mais on n'a jamais fait ça. Mais c'est normal. Ben oui, parce que jusque-là, c'était une dictée. Faites comme nous. Voilà. Donc, vous n'allez pas dire que parce qu'on n'a jamais fait ça ailleurs, donc ce n'est pas bon. Ce qui est important, c'est de se dire, nous devons faire émerger les meilleurs d'entre nous pour nous représenter non seulement au niveau national, mais aussi à l'extérieur. Si c'est cela l'enjeu central, le reste devrait être considéré comme secondaire. S'il faut effectivement faire émerger seulement les meilleurs d'entre nous, pas seulement au plan académique, parce que ça, c'est un piège. On a compris aujourd'hui que c'est vraiment un piège. On peut être à la fois multidiplômé et, excusez-moi le terme, voyou. On en a connu, on en connaît. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment faire émerger les meilleurs au plan éthique et moral d'abord, l'académique naturellement aussi est important, pour que le reste du monde se dise, tiens, au Congo, il y a des choses qui se passent maintenant, parce qu'ils ont compris que la corruption, toutes ces choses qu'on déplore, l'impunité, tous ces maux qui font qu'on n'arrive pas, on est même ridicule aux yeux du monde parce qu'on se fait malmener par un petit voisin. Un voisin de petite taille, disons. Mm-hmm. Les gens vont se dire, s'ils ont compris que le mal, c'est d'abord chez eux, en eux, c'est d'abord en eux-mêmes, et qu'ils comprennent par où il faut attaquer ce mal, à ce moment-là, le Congo va redevenir cette gâchette du revolver Afrique, mm-hmm, de Frantz Fanon. Parce que l'Afrique, on sent que l'Afrique aussi a du mal à décoller, malgré les chiffres qu'on donne un peu lénifiants, mais en réalité, ce n'est pas ça. Par rapport au potentiel de l'Afrique, ce n'est pas là où on devrait être aujourd'hui. Mm-hmm. L'Afrique est encore très en retard par rapport à son potentiel. Donc, aujourd'hui, le Congo a en quelque sorte le destin de l'Afrique entre ses mains. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore compris qu'il faut sortir des sentiers battus. On continue à vous dire, non mais ça, c'est peut-être pour plus tard, mais pour le moment, objectif 2023, élections et tout ça, c'est très bien. Parce que du point de vue de la procédure démocratique, mm-hmm, tous les 5 ans, il faut aller aux élections. Mais est-ce que l'essentiel, c'est ça? Est-ce que la démocratie, c'est le simple fait d'aller chaque fois à toutes les échéances, aux élections, alors que le pays, lui, n'avance pas? Au contraire, il recule. Et même à l'extérieur, on se rend compte que maintenant, les gens, la plupart, se disent « je n'irai plus voter. Pourquoi voulez-vous que j'aille ?» Abstention, je m'abstiens d'aller voter parce que je crois pour nous, Africains, il y a quelque chose qui... Il y a des non-dits. Quand on voit l'actualité aujourd'hui, on se rend compte que le Mali, ce qui m'a déçu, c'est que Macron a dit un jour, ce qui se passe là-bas, je vais appeler le président de... c'est quoi l'organisation là encore? La CDAO. La CDAO pour lui dire d'aller... Mais vous vous rendez compte... Pardon, j'allais dire à petit monsieur. Un président d'un pays qui dit « je vais dicter ce qu'il y a à faire au président de la CDAO », ça veut dire quoi? Monsieur l'abbé, expliquez-moi, parce que je sais que vous avez l'explication. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas un continent souverain. Nous ne sommes pas un continent souverain, c'est-à-dire un continent qui est maître de son destin. Un continent qui est, disons, autodéterminé, qui s'autodétermine. Un continent qui jouit de son autonomie. Autonomie de pensée, autonomie d'agir. Autonomie de réflexion, autonomie de mener des actions, n'est-ce pas, correspondant à ses réflexions, à ses idées et à ses pensées propres. N'est-ce pas? Ça, c'est un élément clé. Aujourd'hui, l'Afrique souffre de ça.
Vous avez évoqué le cas du Mali. Ce qui se passe au Mali, c'est une prise de conscience qui devrait devenir une... Qui devrait faire boule de neige. Boule de neige. Qui devrait devenir la prise de conscience de toute l'Afrique. L'Afrique tout entière devrait se mettre, je dirais, à l'école de ce qui se passe au Mali, qui vient de comprendre que nous devons nous unir pour nous libérer de la tutelle de ceux qui se considèrent comme nos maîtres, mais qui en réalité, eh bien, ils ne sont là que pour, disons, bénéficier, jouir, exploiter nos richesses des pays africains, n'est-ce pas, exploiter nos richesses au détriment du bonheur des peuples africains, dont ils s'en foutent éperdument. Éperdument. Ils s'en foutent. Et depuis nos indépendances, ils ne nous ont jamais proposé, par exemple, de construire des usines pour mettre de la valeur ajoutée à leur... Ils ne voudront pas. Et maintenant, puisque nous sommes en train de parler de quelle démocratie pour l'Afrique, je crois que nous devons inventer notre démocratie. La démocratie de façade, la démocratie formelle, la démocratie des institutions, elle a toujours existé. Depuis l'époque, de la colonisation, et après la colonisation, les indépendances. On nous a mis dans le circuit d'une démocratie institutionnelle, une démocratie des structures. Et nous avons les institutions, la séparation de pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, et on croit que nous sommes en démocratie. Non, ce n'est pas parce qu'on a un parlement, parce qu'on a une assemblée nationale, on a un sénat, on a un gouvernement, on a un pouvoir judiciaire, qu'on est en démocratie. Non. On est dans une démocratie institutionnelle, mais qui n'est pas une démocratie existentielle, c'est-à-dire qui fait appel aux valeurs de vie, à une manière de vivre, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre défi. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est celui-là. Et alors, vous comprendrez que... N'évitez pas tout, parce que vous aurez encore... Oui, par rapport à cela, eh bien, vous comprendrez que le point que nous avons souligné tout à l'heure de la participation, qui inclut les élections, n'est-ce pas, ce point-là devient très important. Ça devient très important. C'est que, quelque part, comment voulez-vous que nous puissions dire que nous avons une démocratie participative lorsque vous vous rendez compte, dans la plupart de nos pays africains, pas seulement ici chez nous en RDC, mais dans la plupart de nos pays africains, vous constaterez que le président qui est là, les dirigeants qui sont là, ce ne sont pas nécessairement ceux qui sont choisis par le peuple. On a vu des exemples, on ne citera pas des pays, Côte d'Ivoire, enfin... Ah oui, oui, on a vu ça. On a vu ça. Bonny Gaba. Oui, je crois que ce qui se passe au Mali, oui, est effectivement quelque chose de très important pour l'Afrique. Mais vous voyez que la position géographique du Mali fait que ce rôle-là du revolver Afrique de France Fanon, il n'y a pas deux pays africains qui puissent jouer ce rôle-là, malheureusement. Le Congo est le seul, je crois, vu sa taille. D'ailleurs, c'est un Ouest-Africain, un Sénégalais, qui disait aux délégués qui étaient à Sand City au dialogue intercongolais, qui leur disait, mais vous n'avez pas, ne donnez pas l'air de comprendre ce qui se passe et ce que votre pays représente pour l'Afrique. Ce sont 35 États africains qui sont directement affectés, positivement ou négativement, par ce qui se passe au Congo chez vous. Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons pourquoi ça se passe au Mali. On dirait que c'est un non-événement. Mais si c'était ici au Congo, oui, que cela était arrivé, toute l'Afrique aujourd'hui serait en ébullition. Parce que les 35 États-là seraient tous en train de,
de vibrer, de voir comment ça se passe, etc. Aux aguets, là. Aux aguets, de suivre. De... Donc, c'est toute l'Afrique qui serait en train de bouger. Parce que c'est le Congo. En 93, je crois, j'ai écrit un petit livre genre science-fiction, politique-fiction, où je disais que la démocratie, effectivement, ce n'est pas les institutions, c'est le vécu des gens. J'ai pris, à l'époque, Clinton était déjà président des États-Unis, donc c'était certainement vers 93 par là, j'ai dit, si vous prenez Clinton, vous l'amenez, à ce moment-là, Mobutu était déjà carrément installé à Bado, oui. Il n'était plus à Kinshasa, donc vous l'amenez à Badolité. Vous dites, monsieur, à partir d'aujourd'hui, c'est vous le président du Zaïre. Et vous prenez Mobutu seul, sans son entourage, vous l'amenez à Washington. Vous dites, monsieur, à partir d'aujourd'hui, c'est vous le président des États-Unis. J'ai fait la démonstration dans ce petit ouvrage que Mobutu va devenir démocrate une fois arrivé aux États-Unis dans le système américain. Parce que quand il arrive, il veut appeler le gouverneur de la Banque centrale, croyant que, comme il faisait ici, là on lui dit, mais vous n'avez rien à voir avec le... Non. Il n'y a rien de prévu pour que vous puissiez appeler le gouverneur de la Banque centrale. Ah bon? Ah oui, ici c'est comme ça. Alors... Clinton fait quoi? Clinton, lui, arrive ici, c'est le Jalelo, tout le monde est prêt à se mettre à plat ventre, les proches collaborateurs lui disent, on va déjà organiser une tournée triomphale à travers tout le pays pour montrer à quel point le peuple vous aime. Oh, on m'aime pourquoi? Je n'ai encore rien fait. Donc, c'est la manière, la culture, la façon de se comporter. Tout le monde voudra, tous les chefs des institutions, le président du Sénat, le président de ceci, tout le monde va venir faire allégeance. Alors qu'aux États-Unis, Mobutu attend les allégeances, il n'y en a pas. Le président du Sénat est bien à sa place, le président du Congrès, les choses de la Chambre des représentants est à sa place, tout le monde est dans son rôle, et Mobutu va finir par... D'abord, il va commencer à chaque fois à poser la question, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça se fait? On lui dit, ça oui, ça vous pouvez faire. Et ça, non, ça vous ne pouvez pas. Au bout d'un certain temps, il va adopter les attitudes, les réflexes d'un démocrate. Parce que là-bas, si tu n'es pas démocrate... Les règles sont écrites. Tu es éjecté. Le système te met dehors. Donc, les règles sont déjà coulées dans le marbre. Vous ne pouvez pas vous écarter de la ligne. Alors qu'ici, celui qui est venu démocrate jusqu'à la malle des autres, déjà un petit poi, arrivé à Bado, on lui montre que non, lui, il a tout ce qu'il veut. Hein. Tout ce qu'il veut, on donne. C'est le chef. La culture du chef. C'est le gouverneur de la banque peut le faire venir de la banque, par avion. Par avion. Tous les responsables sont au pied du président. Le corps constitué. Donc, vous voyez ce que nous devons, voilà pourquoi nous devons inventer notre propre démocratie en tenant compte justement de ces pesanteurs, de toutes ces réalités-là. Et d'ailleurs, monsieur l'abbé, je vous donne la parole avant de vous la donner. D'ailleurs, je voulais dire, la démocratie est même, commence à devenir même dangereuse pour eux-mêmes. Regardez ce qui s'est passé avec le Capitole et tout ça. Si nous ne inventons pas notre propre démocratie, nous risquons d'arriver jusque-là, oui. La démocratie piégée. Voilà. Quelqu'un qui a écrit un livre, La démocratie piégée. Nous sommes dans une démocratie piégée. On nous fait croire que nous sommes en démocratie, mais dans la réalité, nous n'y sommes pas du tout. Est-ce que notre problème n'est-il pas de croire que l'extérieur nous aime? Est-ce qu'il aurait même de raisons de nous aimer? Entre les pays, il n'y a pas d'amour. Enfin, c'est quoi ça? Non, notre problème, c'est nous-mêmes. Notre problème, c'est nous-mêmes. C'est que, quelque part, nous ne croyons pas suffisamment en nous-mêmes.
nous n'avons pas suffisamment de foi en nous-mêmes. Nous n'avons pas suffisamment, je dirais, de foi en notre capacité de rebondir, nous autodéterminer. Ça, c'est le grand problème, à mon avis. C'est une grande maladie qu'il faut soigner. C'est une grande maladie. Et j'étais en train aujourd'hui de suivre une vidéo, pour la première fois, quelqu'un qui a écrit, un certain Pierre Billard, ou le nom Hillard, ou je ne sais pas, bon, le nom ne me vient plus, un certain Pierre, un Européen, qui a écrit un livre, Archives du mondialisme, n'est-ce pas ? Et dans ce livre, eh bien, il critique le mondialisme, n'est-ce pas ? Et alors, le gars, le Congolais qui présente ce livre, dans cette vidéo, il montre comment tout ce que nous sommes en train de vivre a été planifié depuis longtemps par les Occidentaux. Ça a été planifié, tout a été planifié par eux. Alors moi, je me dis, oui, c'est bien beau de dire que tout a été planifié par eux. Mais l'exécution de ce qu'ils ont planifié est passée par notre collaboration, par notre complicité. Et tant que nous n'avons pas pris conscience de notre collaboration, de notre complicité dans ce qui nous arrive, eh bien, nous pouvons crier à longueur de journée sur les Américains, les Anglais, les Français, les Belges, les Rwandais, les Burundais et tous les autres, n'est-ce pas, qui sont la cause de nos malheurs, tant que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, eh bien, nous n'avancerons pas du tout. Cette façon d'agir qui consiste toujours à chercher le bouc émissaire, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on dit bon, ce sont les Américains qui nous ont imposé tel président, ce sont les Belges qui nous ont imposé un tel, et ce sont les Rwandais qui nous ont imposé un tel, et tout ça. Oui, mais ils nous l'ont imposé. Et nous étions où ? Nous étions où ? Voilà la question. Où étions-nous ? N'est-ce pas ? Où est notre conscience de notre histoire, de notre devenir, de notre responsabilité historique par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons vécu hier et par rapport à ce que nous allons vivre demain? Sommes-nous conscients de notre responsabilité? On nous posera la question. On vous a donné un pays riche, un pays grand, un pays formidable qui a tout. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous savez, dans les réseaux sociaux, je vois des Maliens qui sont en train de nous faire la leçon et tout ça. Ce pays-là où vous avez autant de personnes, pourquoi vous ne réagissez pas et tout ça. Mais c'est grave. En fait, nous voulons vous inviter à prendre conscience du fait que nous avons un rôle, le premier rôle à jouer d'ailleurs. Mais parfois, nous l'oublions. Je faisais partie d'une délégation dans mon ancienne vie de reporter à la présidence, très bien accueilli, et pourtant, il y avait des propos à tenir. Quelqu'un de la délégation dit Bayan Bibisomala, mon boyer, vraiment, Pinobouken, nous posez Bangoba question. Vous vous rendez compte? Alors qu'on avait un objectif, aller dire ça en face des Américains. Non. Bon, on va postposer ça, on fera ça après. Au Sonico, vous vous rendez compte? Et avec ça, on va continuer à tourner en rond. En tout cas, nous voudrions vous inviter, vous tous, à nous rendre tous compte du rôle que nous avons à jouer. Parfois, nous avons peur. Si je fais ceci, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non. Mon pays doit se relever. Que dois-je faire pour qu'il se relève? Quand n'attendons pas l'amour des autres, n'est-ce pas, Bonicapa? Effectivement, je crois que le label a dit, le changement du Congolais, le changement qualitatif du Congolais est le point de départ du changement du Congo lui-même, et peut-être même de toute l'Afrique, comme je viens de le dire. Parce que le Congolais d'aujourd'hui, on voit qu'on ne peut rien faire avec lui. Parce que lui ne sent pas cette mission-là qu'il a comme acteur historique. Que si il continue à se comporter comme il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire on donne un peu d'argent,
prend, et puis il va de l'autre côté, il prend aussi, il croit que c'est ça être un bon débrouillard. Mm-hmm. Mais ce Congolais-là, on ne peut pas faire grand-chose. Ce citoyen-là, d'ailleurs, on ne voit pas sa citoyenneté dans ce comportement. Ce peuple-là, le regard que le reste du monde a sur lui, c'est un regard méprisant. Il faut donc changer cet homme-là, ce citoyen-là, ce peuple-là, pour que le regard que le monde va porter sur lui donne déjà le message que les choses ne sont plus comme avant là-bas. Et concrètement, cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous aurons mis en place des mécanismes qui permettent à ce que seuls les meilleurs d'entre nous émergent, et des mécanismes qui bloquent systématiquement. Parce que tout ça s'organise. C'est une question d'organisation. Qui bloque systématiquement aussi l'émergence des médiocres. Qu'il ne soit plus possible à quelqu'un qui n'a pas le profil. J'ai dit, ce profil-là, il est d'abord moral et éthique, avant d'être académique et scientifique. De ne plus permettre à ce que celui qui n'a pas le profil approprié ne puisse pas jouer le rôle qu'on attend de quelqu'un justement qui a un bon profil. Lorsqu'on aura mis en place des mécanismes pour freiner ça et faire émerger ce qu'il y a de meilleur, c'est à ce moment-là que le monde va se dire, tiens, donc quand même au Congo, on croyait qu'ils étaient tous prêts à continuer comme ça. Tiens, on se rend compte qu'il y a comme un sursaut d'orgueil. Ils ont compris que ce qu'ils ont comme pays, il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Et donc, tout ne dépend que d'eux. C'est à eux de s'organiser pour mériter d'être les propriétaires de ce pays. Mais Sankara, par exemple, il y en a eu. Il y a eu un Sankara. Qui l'a tué? Ses propres frères. Sous la dictée de qui? De l'extérieur. Mais ce n'est pas possible. Alors ça fait peur. Votre député, mais il voudra plus aller se contenter de donner cours à l'université s'il est professeur. Il voudra rester in vitam aeternam comme député, même s'il est médiocre. Ben oui, mais c'est grave ça. Mais c'est à vous de juger ce type-là. Pourquoi nous l'avons élu? Non, parce que... Ah non, il n'y a aucune raison de réélire cet homme-là qui nous a déçus. Et désormais, ce sera comme ça. Et là, le changement... Et d'ailleurs, ceux qui seront élus auront suffisamment de conscience que pour ne pas décevoir à l'extérieur, ils parleront de la voix de ce peuple-là qu'il a montré. Maintenant, on peut ne rien dire parce que quand arriveront les élections, on donnera un peu d'argent, on passera. Monsieur l'abbé. De toucher le vrai problème. Quand viendront les élections, on va donner un peu d'argent et le profil dont parle M. Mounigaba ne sert strictement à rien. C'est le peu d'argent que tu as reçu, le peu de biens matériels qu'on t'a donné qui conditionne ton vote. Et ça signifie que quelque part, il y a un vice, pas de procédure, mais un vice, je dirais, de structure mentale. Ça, c'est le grand problème. Ouais. Et alors, je voudrais revenir sur ce que Modeste a dit tout à l'heure par rapport aux meilleurs que nous devons élire pour qu'ils répondent au profil, pour qu'ils puissent gérer la destinée de notre pays et tout cela. Mais je crois que le combat a double face, a deux volets. Il est vrai que nous pouvons avoir des meilleurs. Nous pouvons avoir un tel qui répond au profil. Est-ce qu'il sera accepté? Est-ce qu'il sera suffisamment, disons, en connexion avec un peuple formé à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté, de telle sorte que la voix de l'extérieur ou de ceux qui se disent maîtres du monde, qui n'aiment pas justement ces meilleurs-là,
et qui ont horreur de ces meilleurs-là. Ils ne se féliciteront jamais, ils ne se réjouiront jamais que nous ayons un meilleur pour nous. Celui qui est meilleur pour nous est mauvais pour eux, généralement. Et nous l'avons vu. Vous avez cité le cas de Thomas Sankara. Thomas Sankara était meilleur pour son pays, mais il était mauvais pour eux. Alors, ils organisent la mort de Thomas Sankara, l'assassinat de Thomas Sankara, parce qu'il était bon pour son pays. Et à chaque fois que nous remarquons un chef d'État, un dirigeant africain qui est assassiné, qui est tué, n'est-ce pas, ou qui est tout simplement victime d'un coup d'État et tout, eh bien, souvent, nous devons nous dire, c'est celui-là qui était bon. Ici, chez nous, on peut parler de Lumumba. Lumumba était bon pour nous. On nous a fait croire qu'il était mauvais. Et vous vous rendez compte, il était mauvais pour eux. Voilà. Pas pour nous. Vous vous rendez compte, on a mis de l'argent à disposition pour le corrompre. Voilà. Et il a refusé. Ça, c'est grave. Comment est-ce qu'il peut refuser ce nègre? Voilà. Voilà. Alors, il doit être... Alors, si vous avez derrière vous un peuple mobilisé... Voilà. Eh ben, des gens comme ça, vous les portez à bout de bras. Et le pays... Et surtout, nous, qui sommes au cœur de l'Afrique, nous avons des responsabilités encore plus grandes dans les partis politiques d'éduquer ce peuple. L'enjeu est là. Éduquer le peuple, et en même temps, créer une connexion entre le peuple et les dirigeants. Que le peuple et les dirigeants ne fassent plus qu'un. Aujourd'hui, un des grands problèmes auxquels nous assistons et que nous vivons, c'est que vous avez un peuple qui est laissé à lui-même, qui n'est pas formé, donc personne ne s'occupe de la formation, de la conscientisation, de l'éducation, à la culture démocratique justement, n'est-ce pas? Et vous avez des dirigeants qui font leur chemin, n'est-ce pas? Ils sont partout, sauf peut-être là où ils doivent être, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que nous vivons comme un train dont la locomotive est coupée des wagons. Le wagon étant le peuple, la locomotive étant les dirigeants, bien la locomotive, coupée des wagons, fait son chemin et les wagons font leur chemin. On devine la suite. Voilà. La catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, pour moi, les élections devraient nous amener à ce que le peuple puisse dire c'est un tel. Notre dirigeant, nous l'avons choisi parce qu'il répond à tel profil, il a telle qualité que nous apprécions, pour qu'il puisse agir en connaissance de cause et en fonction de nos intérêts. Là, on peut s'inspirer. Ce qui s'est passé au Venezuela avec Hugo Chavez. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Hugo Chavez, c'est pas, il critique. Moi, je dis non. Hugo Chavez a été élu par son peuple. Et quand les Américains ont fait un coup d'État au Venezuela, après l'élection d'Hugo Chavez, ce coup d'État a duré combien de jours? 3 jours. Et qui a remis Hugo Chavez au pouvoir? C'est le peuple du Venezuela qui a dit, nous n'avons qu'un seul chef, nous ne connaissons qu'un seul chef, notre chef, c'est Hugo Chavez. Alors, votre monsieur-là, eh bien, qu'il parte. Eh bien, il est parti, effectivement, 3 jours après, Hugo Chavez est revenu au pouvoir. Et aujourd'hui, ça continue. Maduro, s'il résiste, n'est-ce pas, à la campagne de dénigrement et de déstabilisation de ceux qui se disent maîtres du monde, c'est parce qu'il a un peuple qui a été formé, qui est convaincu idéologiquement et qui le soutient, non pas un soutien émotionnel, sentimental, mais un soutien idéologique. Alors, c'est là qu'il faut interpeller, je crois, les responsables des partis politiques. Ils ont une... Mais... Si vraiment vous allez dans les partis politiques, on ne mobilise pas les gens, on ne forme pas les citoyens sur les enjeux de ce pays, nous sommes morts, nos enfants, nos petits-enfants avec nous. Donc les partis politiques ont une mission, mais une mission importante. N'y mettez pas des va-nu-pieds, mettez-y des gens sérieux et qui peuvent tenir un langage révolutionnaire au sens du développement de ce pays. Et je me souviens du livre qu'avait écrit l'ancien Premier ministre
Lunda Bululu, il dit un pays où il y a tout le monde, tous les pays l'envient. Et puis Dieu dit, vous verrez les gens que je vais y mettre. Franchement, nous sommes des mauvais, des gens là. Non, moi je refuse d'être des gens mauvais que Dieu aurait mis. Non, je refuse. Et refuser aussi. Parce que si c'est ça la vérité, eh bien nous continuerons à vivre dans la misère éternelle, qui signifie on est riche tout seul, on est content. C'est au moment de vote qu'on va penser aux électeurs. Boni Gaba, on a presque terminé. Oui, vous avez parlé des partis politiques. Bon, c'est vrai qu'on en a, mais c'est justement, peut-être le pluralisme chez nous a été dévoyé. Parce que, attendez, vous croyez vraiment que c'est ça le... C'est qu'il faut. Il y avait 450, maintenant mais il y en a combien? Mais là, on est à bientôt 800 1000, et quelques. 1000, presque 1000. Mais presque 1000. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça la voie? Moi, je ne crois pas que ce soit. Alors, quand vous parlez d'éducation dans les partis politiques, bon, avec 1000 partis, avec 1000 éducateurs différents, on voit bien que c'est vraiment le. Les amis qui sont dans des partis me pardonneront, mais c'est ça l'image que ça donne. Hein. Nous avons l'impression que c'est vraiment. Comme disait une dame qui est passée dans les réseaux, que c'est la mangeoire. C'est tout simplement pour être aussi à la mangeoire. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment des idéalistes, mais c'est ça l'image que ça donne. Lorsque vous avez, on attend des coalitions, des ceci, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble dès le départ? Voilà. Pour dire, voilà, nous voyons les choses comme ceci, mettons-nous ensemble. Si nous arrivons au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Peut-être parce qu'on ne voit pas clair dans les idéologies, c'est pour ça qu'on confond un peu. Hein. On ne voit pas clair, on dit ça comme ça, unitariste, fédéraliste, bon, voilà. Et puis après avoir été fédéraliste, on devient unitariste, puis on s'en fout. On a les deux d'ailleurs. On n'a pas conscience. Non, mais vraiment, il faut qu'on prenne conscience. Monsieur l'abbé, l'obanam na lingala bandeko. Ndenge mi balé ya kosa la politique oyo eko déterminé à venir en boka na biso. Lelo yo tozo sa la politique na libumu. Politique na libumu. Oto bengi la mangeoire. Kolia. C'est-à-dire, na tonisa libenga nanga, na tonisa ba compte nanga, nazala bien ngai, na mwa libota nangai, to mwa bandeko nangai, na lia, tolia. Soki eza boyi, pona nini ngai na kozala pete kuna. Balobaka, tourna biso ya kolia. Bino bolia ki lobi, siko yo tourna biso ya kolia. Et puis kolia yango, kolia yo moko, kolia na baninga te. Bolia ki lobi ale esili, bino bolia ki, siko tourna biso ya kolia, tourna biso moko, tourna baninga, tango tourna biso kosila, tourna ba msoso. To sengeli kolongwa na lolenge wana ya kosala politique ya libumu. To kendena lolenge ya kosala politique ya motema. Ya motema pe ya moto. Moto inkoba makanisi, utubengi ideologie, makanisi. Motema inkoba bolingo, bolingo ya baninga, bolingo ya mboka. Alors, ce qui te kopona bayangeli ya mboka na biso, à tous les niveaux, to sengeli kotala, est-ce que moto yo te kopona? Aza moto, aza tambola na moto, na motema, to aza tambola na libumu. Alors, ce qui te pone moto, aza tambola na libumu, to ka mwate te lobi mboke okena nango malamu te mboke okena malamu te to bando lela kaka nzala boye to kufi mboke kufi me mboke zo kufa po tozali na bayangeli baye bazali kotambwisa mboka na libumu olie kotambwisa mboka na mayele ya moto na bolingo ya motema. Voilà. Na kanisi eloko yo to sengeli ko bomba ngo makasi pe ko kota na bozindo na yango. Ya na bi nde na lobaki wa peuple ba imboka to sengeli ko pesa bango mayele ya sika. Ko fungola bongo bwanya na bango. Et puis bay balingi ko yangela. To ko tiela bango miso. Pamba te to ko pona lisusu ki ponela te. Toko pona isu te po, ozande konanga, po, opesa ki ngambongo, po, suki yo komi, ebien nga ipe na kolia, te. Et puis suki a komi, okolia pete. Okolia pete. C'est ça le drame, non? Oui. Monsieur Boni Gaba. Ben, toujours à Lingala? Non, comme vous voulez, hein. Donc, ici, c'est la démocratie. Donc, c'est vraiment
C'est ça ce qu'il faut dire. Parce qu'aujourd'hui, Chancelo Kopamba, voilà. Ça, il faut enlever. Il faut changer de paradigme. Il faut organiser le Congo différemment pour qu'il n'y ait plus de Chancelo Kopamba. Parce que ces Chancelo Kopamba ancrés dans nos cultures, dans notre culture, qui revient à dire que l'effort ne sert à rien. Vous vous rendez compte? Quel est ce pays qui peut se construire en se disant « Non, mais c'est par chance seulement, hein, moi je suis et tout ça. » Non, il faut au contraire montrer que l'effort, le travail acharné est la clé de la réussite. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais ajouter quelque chose, monsieur l'abbé, vous me contredirez si je me trompe. Mais maintenant, je ne vois même plus cette compétitivité qui nous habitait quand nous étions à l'école. Donc, on voudrait être le premier de la classe. Mais non, ça n'existe pas. Bon, bon. On passait dans la deuxième session et puis on a repris un bon. Non, mais c'est tuer le pays. Oui. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Il faut tous à la bas, tous la kisabaninga que bison de tous à li la mitou. Tous à la mboka ya kitoko, la mboka yango, tous kende lango li bosso, mboka kende li bosso. Je crois que. Monsieur l'abbé, à moins que vous ayez un dernier mot, très rapidement. Très rapidement, je voudrais tout simplement ajouter un élément que nous n'avons pas épinglé et qui me paraît très important, c'est la démocratie économique. Lorsque nous parlons de démocratie, nous avons tendance à nous limiter à l'aspect politique, organisation du pouvoir politique. Mais nous oublions qu'il y a une démocratie économique. C'est-à-dire une économie au service du peuple, une économie au service de l'homme. Eh bien, cette démocratie économique nous manque. Or, quand on regarde la configuration du monde, eh bien, c'est l'économique qui mène le monde. Et si nous n'avons pas une démocratie économique, eh bien, le politique, qui est souvent assujetti à l'économique, eh bien, ne marchera pas. Ne marchera pas. Et c'est ici où je recommande vivement à nos citoyens, à nos compatriotes, à l'élite, hein, de s'abreuver, n'est-ce pas, à la pensée d'un monsieur qui a parlé de cette démocratie économique. C'est un Canadien, monsieur qui... dont le nom ne me revient pas pour le moment, mais dès que ceux qui sont dans l'Internet, vous tapez démocratie économique, lui est vain. Voilà. Vous allez tomber sur lui est vain. Lui est vain, c'est Canadien qui a promu la démocratie économique. Ah, on a Congo, les sous-baza koloba, que baza kozwa pétrole, bison, toye bi ata quantité. Oh, on boka moussou, yo baza kozwa ba minéré. Et que kuna nanini na Chine de balobi tozwa ki boye. Est-ce que vraiment wana isa sérieux? Et puis tozoko tozana biloko wana. Tozana ba minéré, tozana coltan, oyo bazo fabriqué non ba téléphone portable, na ba ordinateur et tout cela. Biso moko nini tozali ko sala pote tout exploiter yango non toko kina ko somba ba téléphone na Chine toko kina somba téléphone na poto toko kina somba téléphone na États-Unis mais mboka na biso ezali na matière première wana et puis bazamayele pe bazali bazamayele bazali ndeko na biso na ko tanga ko mona Jean Bellé oya za na États-Unis oya fabriquer téléphone mabingi Okapi téléphone ya fabriquer pe se mokombo ya nyama moko ezaka na mboka na biso Okapi téléphone on est outi na mayele ya compatriote moi na mboka Jean Bellé zousala mais loko nini ezangi pote bakonzi ya mboka bubingi mwana na bino ya mboka di papa Jean savant asa savant atteint sa université moko munene kuna na États-Unis papa yaka makama mwe ozosala ngondenge nini eh bien to pesio ba moyen osala makambwana na kati ya mboka na biso eyoka mini comment eyoka nia bon ben je crois que dit un dernier mot juste Lingala. Non, je crois que piégée. il faut vraiment changement bongwana yaba esprit nabiso et salement parce que esprit otozana ngo lelo ezamabe
Les esprits, les autres pour ces bisous, quand on a un égoïsme, à éviter que c'est l'ensemble. Nous pouvons même créer la société avec l'actionnariat populaire. Est-ce que vraiment, tout le monde a un téléphone, ma projet est belé. La 5 moutouna moutoua paye ça minimum 10 dollars. Pour tout créer une société, mon monnaie, mais même si 1 milliard de dollars, tu peux réunir et encore. Tu fais une usine, mon monnaie. Il y a des fabriqués, Et à ce moment-là, tu vas comprendre que ceux qui vont mettre ensemble sont comme très fort. Parce que tu as 10 dollars, mais tu as 1000, en tout, est comme 1 milliard. Mais tu as actionnaire dans 4. Donc, quand tu as un actionnaire dans 4, tu es allé, tu es concerné. C'est ça, c'est ça l'attachement à la boca. Oui, mais malade, moko, ezana biso, il faut tout changer. Ton ngaka mingi kozala chef. C'est ça. Oyebi na ba télévision wa exact et ton di belé au lieu ba tuba sanga na ba sala eloko ya makasi. Non mutu na mutu alingi. Oyaye. Alors, ozona moi télévision, ozo futa ba tuté parce que l'humilité zate mais boza e belé. Maye le wana société wana na kambango. Komo na ndé bitumbe kozala. C'est pour ça qu'il faut tout changer, avant. Voilà. Avant tout quand on a un projet. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous étions très heureux de vous retrouver et j'espère que nous avons semé. Vraiment, j'espère qu'après avoir suivi cette émission qui va passer sur 2 semaines, vous aurez compris quelque chose. Merci de nous avoir suivis. Et bonsoir. Bonjour.